Mec, gosseur des vidéos de Brave Wilderness, ça fait des éternités que j'ai pas vu de vidéos de lui. 5 by Eugene, Black Bee. Oh là là, je sens que ça va être dur. Vas-y, gosseur du mal. Go voir des trucs bien dégueulasses là. This bee is ticked. And it is going to sting the heck out of me. Oh, ça dégoûte. Oh. 2. 3. We are just outside of our lodging. Et la grande sourire, il arrive avec sa petite épuisette là. Son but, du coup, c'est de se faire piquer et mordre par tous les animaux dangereux du monde, tous les animaux genre qui te font mal, et de faire une note, de lui donner une note, de rank tous les animaux qui piquent et qui mordent du monde. T'es 88 degrés. Wesh, mais comment ils font pas, frère? Ah ouais, la grosse capote là. Ah ouais, pour la maxi boteux. You see what I see? Big orb weaver. Oh, look, it's eating. Oh, ça me dégoûte déjà. Ah, les trucs d'araignée là. En plus, il va la chercher, frère. Oh, ça me dégoûte. Où est-ce qu'il est pour qu'on n'y ait jamais, mec? Ok, il la chope avec le net et après, il va la choper avec les mains. Oh! Oh, ah! Ça dégoûte! Oh, c'est horrible! Oh, c'est horrible! And I've been told that their venom can be super painful. Ah, en plus elle monte. Ah, c'est horrible, ça me dégoûte. Look at how colorful its abdomen is. Ça me fait rien, perso, désolé le mec build différent, hein. Désolé le mec insensible, là que les bassesses du monde n'affectent pas le Dark Sasuke originel, quoi. It's heavy. You can like feel the weight. Non, non, ça me dégoûte, hein. This is a big mama. This is likely a female, given her size. Ah, c'est une grosse daronne là. Oh, ça me dégoûte! T'imagines la sensation sur des doigts là? Tic 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 tic! Et bim, il la remet comme si de rien n'était. Elle retourne graille, tranquille. Oh! Cut this rolling. Right in the center. There it is. Tu vois de loin là. There, see it. I'm just got to go for it. Hold this, Asa. It's too thick in there. I'm gonna go around the backside. Ah ouais, la piste là, hein. Il veut se faire piquer, hein. Après, c'est son business, hein. Shoot, pull your cameras. Mais c'est un bourdon, ça, c'est pas une abeille. Got him. Yes. C'est un bourdon, frère. Huge. Oh. Carpenter bee. Oh, mais ça veut. Dégoûte. Beautiful blue wings, big bee. All right, here, let me get it into a container so we can get a better look. That is a really big and black. Mais elle est énorme. Oh my goodness. Il a son petit, il a son petit pupitre là pour se faire piquer. There's our bee. Il a tout prévu. Got our net. Doing the transfers. So every insect or arachnid I'm getting bitten or stung by could be potentially a life-threatening allergic reaction. Always got the EpiPen. I'm just gonna put that over here though. Ok, oh, là c'est sûr. On joue avec des insectes hyper dangereux, mais avec sécurité, monsieur. Mais avec sécurité, on ne laisse pas les choses au hasard ici. Oh, ça me dégoûte. En plus, elle a abandonné la vie là. Regarde comment elle n'arrêtait pas de se battre. Elle a abandonné, mais l'abeille dépressive. Mais quelle est dépressive son abeille là. First thing I notice, besides the size of this bee, is how hairy it is. It has ah ouais, elle est poilue là. Ah, il va se faire piquer. This is what's known as a carpenter bee. And there are carpenter bees all over the world. And the reason why they are called a carpenter bee is because of how they reproduce. Instead of making a hive. Ah ouais, elles sont appelées carpenter, c'est quoi? C'est pas architecte, c'est pas menuisier. Si, c'est menuisier. Carpenter, c'est menuisier. These bees will actually chew into wood, make a pollen ball, lay an egg with the pollen ball in the wood, and then they'll close it off. And that's where the baby bees, the larvae, will hatch. Ok, ça bouffe du bois, c'est merde. And emerge as adult bees to do the cycle all over again. Unlike a honeybee, they can sting multiple times. Oh, so ouais. This is more similar to a hornet or a wasp, where it can sting repeatedly. You might get swarmed at a picnic by yellow jackets or even honeybees, but these bees are solitary. They're not defending any hive or nest. Du coup, elle, c'est des abeilles malsaines. Elle,
juste pour le plaisir. Elle défend de rien, elle te pique juste pour le plaisir. Ça m'empêche, frère, ça c'est une belle manière de rentabiliser son masochisme. 21 millions d'abonnés, 1 million de vues, frère. So at the end of this video, you are going to learn where this bee raids. Drip ou pas l'abeille? En vrai, drip ou pas l'abeille? Frère, les petites ailes multicolores, pa 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 pa. Scorpions, spiders, things. Attention ce qu'elle met, mec. Oh là 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 là. I don't know if we're going to be able to like. Allez, fais-le. Souffre. Je dois souffrir. Capsule because it is super strong. So I'm just going to get right into it. The bee's starting to fly, so I'm going to have to do it under the net. Now, like most flying insects, it's gonna go up first. Just be careful. Be careful. J'ai la blague. Be careful. Dangerous game of grab the bee. Let's see if I can improve this. You see that stinger going? Wow. Oh, it's big. Oh, that stinger is big. Ah ouais, putain, mais il la démonte là. Il la chope avec le doigt là. Okay. Now you can see why we had it under the glass. This bee is ticked. And it is going to sting the heck out of me. Wow. I'm not looking forward to this. Allez, pique-moi. Three times the size of your average honeybee. This is always the hardest part, getting stung. Ouais, non, il kiffe, hein. Fais pas genre tu kiffes, hein. Fais pas genre t'attends ça depuis toute la journée. Frère, depuis des jours, il prépare cette expédition. Il a catalogué par quoi il pouvait se faire piquer. Frère, il a cherché l'endroit où il avait le plus de chances de trouver des abeilles comme ça. Et il s'est dit, vas-y, on y va. Maintenant, on y va. C'est tout ce que j'attends, c'est tout ce que je veux, frère. Il dit, c'est le pire moment. Gros, il attend ça depuis des jours. I'm Mark Vins, and I'm about to enter the sting zone with a giant carpenter bee. On three. One. Oh, elle est pas devenue, là. Elle veut pas, hein. Elle veut pas, hein. Elle pique. Ah ouais, tu dois sentir les trucs velus là. Elle veut pas, elle veut juste survivre, frère. Viens piquer. Viens piquer, salope. Viens. Oh l'abeille pacifique, frère, pacifiste, frère, regarde là, elle était en train de déprimer, tout ce qu'elle voulait c'est d'être libre. Lui il est là en mode pique-moi, fais-moi mal, et elle non, t'as beau me taunt, t'as beau vouloir mon mal, t'as beau m'emprisonner, je te tends l'autre joue, mec, je te tends l'autre joue. For the bee that I was about to catch. Oh, là l'autre, elle est trois fois plus grosse. Wouah, c'est quoi ce monstre? Ok, let's go back. Do it. No fussing around. Mais attends, c'est quoi cette merde? Is massive. Wow, Cécile a pas l'air dépressive. Cécile a l'air vénère. Hein. First one. Oh. Be even harder to hold. Mais c'est quoi cette merde? Oh, allez, one. allez. Là, il est trop excité, frère. Là, la trick qu'il a. Oh, wow, yeah. Yeah, il kiffe là. Regarde, va sourire là. Regarde ça, bim. Là il est content là. Wow. Oh. Yeah. Ah là il kiffe. Ah là il est à fond. Ah ouais. Allez, une petite dose encore là. Petite dose encore. Yeah. Ah ouais putain. Tu breakdance là. Elle fait une petite pause. That first one did not sting, guys. That first one definitely did not sting. You see the venom coming out of that hole? Oh. Ah ouais, il kiffe là. Yeah. Ah il kiffe, hein, mon cochon. Hein. Ah là, t'es bien. Ah là, tu kiffes. Hein. That's burning. Mais il vit pour ça, frère. Il vit pour ce moment. Hein. Il attendait sa dose depuis des jours. Bon, simulation ou pas? Pensez simule. Mec, en tant que mec ténébreux qui a vécu des choses dans la vie, je suis un expert en douleur. Un expert en douleur, autant de douleur physique que mentale. Et je pense, je lui mets pas une bonne note, je lui mets un 5. Niveau douleur, je lui mets un 5. Putain, elle est énorme quand même. Et vous pouvez me faire confiance, hein. Niveau douleur, je suis expert. Dark Sasuke que je suis. Mec, t'imagines, je fous un croc là-dedans. Attends là, t'imagines, tu fous un croc là-dedans, frère. T'imagines la sensation, le crisp.
Jamais mangé des insectes, vous avez jamais mangé des insectes? Ça doit être immonde, mec, hein. Ça doit être immonde, t'as des petits morceaux, t'as des petits morceaux d'ailes, t'as des petits morceaux de tête entre les dents, là. T'as le scrunch, là, immonde. For the next day. On intimidation, this bee's massive size and huge stinger set my nerves on fire. On top of that, it was also incredibly strong and one of the hardest insects I've ever had to wrangle. For that, I rank it a 7.5 out of 10. For pain, the sting of the second bee was shocking and about 10 times as painful as the first. After the first sting, I wasn't sure if this bee was even worth rating in a full video. But after being walloped by the larger bee, I can safely say the giant black carpenter bee of Borneo has a very painful sting, and I was immediately humbled. So for pain, I give it an 8.3 out of 10. Now the aftermath of this sting, like ah ouais, elle a représenté la race là. Ah y a la première pacifiste qui était là, frère, elle faisait honte à la race. Elle pique pour le plaisir, hein, pour le plaisir. The giant black carpenter bee of Borneo, a total score of an 8.3. And right ah ouais, le drip. Spot way up the ranks of the Brave Wilderness Bite Sting Index. Ah ouais, le drip. Attends, c'est quoi la première? Bullet Hunt, vas-y. Ça s'appelle Bullet Hunt parce que ça fait la douleur d'une balle. Ah lui, c'est le king. Voilà, c'est le vrai, là. C'est le Brave Wilderness que je connais, frère. Coyote Peterson. Is filming the final macro shots and I am two minutes away from being stung by the insect that supposedly has the most painful sting. Ouais, il kiffe là, ouais, il kiffe. Lui, mec, c'est lui qui se balade, l'original masochiste qui se balade absolument partout dans le monde pour se faire piquer et mordre par les trucs les plus dangereux possibles. Plus ça fait mal, plus il kiffe. Lui. Tu lui dis l'insecte qui fait le plus masse au monde, frère, la trique qu'il a, gros. Ah, tu sais pas, toi. Hein. Regarde le petit coup de langue là, tu l'as vu, petit coup de langue? Ah là, mec, il est au max là. Ah frère, là il est, c'est l'apothéose. Là c'est le meilleur moment de sa vie, frère. Là il pique. Là il est sur le point de pique. Il sait qu'après la vie ça va jamais être aussi bien, frère. I think I'm gonna be fine, but ooh guys. Ah, il kiffe trop. The heart rate is going to. Ah, il kiffe trop cette vie. This is it. One. Two. Ah, il kiffe trop. Regarde-moi cette tatique, gros. Regarde-moi cette tête de tati! Regarde-moi ce regard, il faut sa dose! Hidden within the darkness of the Costa Rican rainforest, a legend exists beneath the ancient canopy. Indigenous people refer to it as bala, which means bala. Bullet. Mm. It is rumored that just a single sting from this animal is so excruciating that it feels as if one has been shot with a gun. They say faudrait faire la différence, c'est dommage qu'on n'ait pas une vidéo comparative. Entre une vraie balle et une bullet hunt. Non, ne faites pas ça. Putain, mec, putain, je l'ai pas dit assez vite. Oh, avec l'influence que j'ai, il y a quelqu'un qui va le faire. Il a déjà mis pause à la vidéo et il va se faire une balle dans le bras gauche et une bullet hunt dans le bras droit. Oh, putain, je l'ai pas dit assez vite, j'ai pas fait le disclaimer assez vite. Merde. By all who hear its name. Bala. Bala. Non, c'est pas très peur, Bala. Bala, viens ici. Bala. C'est l'heure de manger. I have taken on the challenge of being stung by some of the planet's most notorious insects. It all began with harvester ants, a common species in the southwestern United States that hails as having the most toxic insect venom in the world. I took around 60 stings and walked away, mostly unscathed. Ah putain, là il était le truc anticlimatique, hein. Anticlimatique, il était en mode vas-y, vas-y. I buried my hands into a nest of fire ants. The pain was like sticking your hands into a burning ring of fire. Ow! 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 Oh! The aftermath? One of my biggest regrets, as my hands were swollen for a month and permanently scarred. Even to this day. Oh, c'est dégueulasse! One would think I had gone far enough. Upon the velvet ant. Famous for having the longest stinger in the world, it sent me into agonizing pain for nearly 30 minutes. Oh ah, il a le réflexe de la mettre. Oh là, il kiffe. Oh là, il kiffe. Oh, frère, mais il vit. C'est un putain de crack addict, hein. Un putain de crack addict. Regarde, là, il a sa dose. Il est au bac. Là, c'est le moment, c'est le meilleur moment de sa vie, frère. Il kiffe trop, frère. Regarde, il a sa dose. Attends, laisse-moi profiter. My next challenge was the tarantula hawk, which is ranked as the second most painful sting in the insect kingdom. Here we go.
Oh, ça me dégoûte. Ah putain, il veut pas, hein. Ah, il a voulu, là. Il a le réflexe, quand même, hein. Ah putain, regarde-moi ce crackhead. The pain was so intense that it put me on the ground with my arm in a state of paralysis for nearly 5 minutes. I can't move my arm! I was ascending the sting pain in. Ah putain, comment il kiffe là! Il a deux doigts de sortir sa bête, gros! And I could see the peak of the mountain. Oh putain, là c'est. Oh, là il a piqué, là il a piqué. Là toute sa vie, depuis ce moment-là, toute sa vie il recherche ça. Down at me with black beady eyes. An alien looking creature amongst all other animals. And a name that cast fear into the hearts of men. Ah bon? Vous avez peur de ça, vous? Today, ah, regarde, ça, c'est la tête de quelqu'un qui va retrouver sa dose! Ant challenge day. I'm actually pretty excited about this. Ah, tu m'étonnes, mon cochon, tu m'étonnes! I'm gonna get stung by one. So, guys, keep your eyes peeled. These little ants could be anywhere. Well, I guess they aren't really little. They're probably about this big. So... Moi, frère, il a dit vraiment petite, c'est de cette taille. Eyes peeled. These little ants could be honnêtement. Anywhere. I guess they aren't really little. They're et genre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord. Ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Ça, c'est... C'est tout sauf petit. Hein. C'est tout sauf petit. Je dirais entre au-dessus de la moyenne et raisonnablement gros. Probably about this big. Ouais. Ah ouais. So, let's head down here into the rainforest. Et j'ai des gens qui sont d'accord avec moi. All right. I just saw an ant up on the tree here. Come up really slow. This might be a nest. You think you got a nest? I mean, the ground looks the same as it has in most of the jungle, but there's a hole here. I definitely saw a large ant moving up on the side of that, but before I just storm up there. Did you just see one or do you see a few? I saw one ant. But this looks like there's a hole right there. Where? You see that? This looks like a nest. I don't see the hole. Il va la mettre. Faut pas aller genre deux fois. Ah ouais, frère. Faut pas les dire deux fois. There we go. There we go. Yeah. Ooh, it's going right towards my hand. That is a bullet ant right there. Hold on, I'm just gonna put it in the container. Ah. Oh. Mark, watch out. Watch out. I think there's. Ah ouais, petite main au cul là. Mario, non. Genre là, t'en as une. No question about it. I was attends, trying to get a single ant and they started swarming out. Okay, this just went from slightly dangerous dans la forêt seul. There was one crawling up on my hand and I got startled and I flicked it off. T'avais certaines choses. I got the container, we need to get an ant. I got one. Allez, viens voir papa. Back up. It's going right towards my hand. Oh boy. It's attacking the tip of the stick. I'm gonna put it down right here on the dirt. Yeah. All right, I'm gonna get it in this cup. OMG. Oh, ça c'est un mec qui vient d'avoir sa dose. Là il est dans le moment juste avant celui où il va taper sa dose. Apparemment, meilleur moment pour les addicts, c'est pas le moment où t'es défoncé, c'est juste avant, mec. Le moment où t'anticipes, le moment où dans ta tête tu vas entrer dans le nirvana, frère. Regarde-moi ce sourire. C'est quand la dernière fois que t'as souri comme ça, frérot? Quand t'as lancé le stream? Y'en a toi. Y'en a toi. On t'a vu que Ikebi revient des vidéos sur le cheveu. Viens là, mec. Dans mes bras. It's time to go through with the bullet ant challenge. Let's do it. Yes! Got our ant! Ah ouais, regarde-moi ça! Cochon! This is Costa Rica, and that, ladies and gentlemen, dare coquin! I say it, is one monster-sized bullet ant. All right, before we get into this, let's just go over some basic safety. For everybody out there watching, we have taken all the proper medical precautions. What we have right here is an epinephrine pen in case my body reacts negatively to the venom. Now, I will note that there are no reported cases of humans dying from the sting of a bullet ant. Alright Coyote, so what's the game plan? What are you thinking here? How are we gonna... Regarde ça, regarde-moi ce regard. C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a regardé comme ça, mec? Regarde-moi ça, mec. Regarde-moi ça, ce petit sourire. Oh, c'est un péché capital, ça, hein. C'est la lust que je vois, c'est la luxure, hein. Oh mec, c'est le regard de la luxure, ça, regarde-moi ça, frère. Yeah, how are we gonna get me stung by the bullet?
I love that question, Mark. I appreciate that. Okay, well, this one is very similar to the Velvet Amp. This is going to go down one of two ways. The first thing that we're going to try is I'm going to lift up the glass capsule, and then we're going to place it there. If it doesn't sting me like that, then I will use the forceps. On va la torturer jusqu'à ce qu'elle me pique. Tu vas me piquer, toi. Tu vas me piquer. J'ai pas fait tout ça pour rien. Like the tarantula hawk. Si elle est trop pacifique, on va la forcer. One way or another, there is no question about it, ladies and gentlemen. Today, I'm going to be stung. Qu'elle le veuille ou non, elle va me piquer. J'adore, mec. Are you sure about this? Yeah. Regarde-moi ses yeux, frère. Tu crois vraiment qu'il est pas sûr là? Don't turn back now. Mario, ready? Ready. Let's do it. Here we go. Ant on my skin. One. Two. Allez. This is it. Fais durer là, fais durer. Three. Ant is on my forearm. Look at that. Okay, it's just trying to climb out of the glass. I don't know if it's realized that it's actually on my arm. It is looking a little bit agitated. I can feel the little legs grabbing onto my skin. And right now it is just trying to get out of the capsule. It's thinking, okay, something's new. It can probably sense the heat of my skin and also the smell of my skin. These ants can pick up different pheromones. We'll let it go a few seconds longer. Mais terrifié, hein. Moi, ces petites pattes. And I think, similar to the velvet ant, that this ant is going to need to be held with forceps. On a besoin d'être torturé un peu. Okay, I'm going to tip the glass capsule back up and get the ant under control. One, and wow, look at that. The stinger is already flying. Does that give you enough space there, Mark, to be able to see the stinger as it goes into my arm? Yes, sir. Il est sur le point de se mettre une petite dose et il a quand même le sang-froid de pas appuyer trop fort. Regarde-moi cette délicatesse, hein. Right here in frame. Ça reste l'expert, hein. L'expert des insectes. Attends, c'est le moment, mec. Ah, c'est sa dose. And I'm about to take on the bullet ant challenge. Are you ready? Let's do it. One. Two. Oh my gosh, this is it. Three. Oh, it's stuck in my arm! It's stuck in my arm! Oh, oh la pauvre, la pauvre, frère. Putain, fait des 3-6. Ok, it's off, it's off, it's off. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, oh my gosh. You're right. Done. Oh, done too, Mick, done too. Oh my gosh, I think it has the tarantula hawk topped. Oh putain, il est en train de se dire c'est le mieux. C'est le meilleur, c'est la meilleure. Right, man? Yep. Oh, did you see that? The stinger. You're right, man? Yep. Ah, j'ai fait des montagnes russes, je faisais la même tête, hein. Oh, did you see that? The stinger was stuck into my forearm, right into the vein. There is the sting insertion point right there. Oh my gosh, it is like, oh, it's hot. Oh, I can feel the venom already, right in my forearm. It's number one. Pendant ça, le maxi chill. Je pense qu'elle va retrouver son chemin quand il va le lâcher. Oh, it's burning more. It's getting worse. Hold on, hold on, hold on. Mais je vois pas l'impact des balles, hein. Ils ont dit que c'était comme une balle. Elle a pas fait de trou. Oh my gosh, Mark, put your arm out here. Just tell them. La touche. Feel my forearm. Dude, it is like rock hard. I think it's spasming. Ah ouais, putain, il est dur là. Now, the toxin that comes out of the sting of a bullet ant is a Panera toxin, which can cause you to hallucinate. So, I don't know how much venom actually went into my arm. All I know is that the stinger was in my forearm for a considerable amount of time. Oh my gosh. Dude, I think my neck is having a muscle spasm too. My whole muscle structure is like pounded right now. Ah, crois-moi, combat c'est dur aussi, hein. I think it goes without question that the bullet ant sting is the most painful that I have faced thus far on the insect sting pain index. However, as some of you may know, there are whispers that there is possibly a more painful sting out there. The warrior wasp may challenge the bullet ant's claim. Ah, frère, il a pas fini là. Il a pas fini. Il satisfera jamais de ça. Hein. Ou bien il va en prendre une dans sa poche. Hein. Il va retrouver le nid, il va en prendre 10. Il va faire un petit élevage chez lui, frère. Petite dose de temps en temps.
As we returned this legendary creature back to its colony, the insect was immediately greeted by the other ants. Like ils l'ont fait chier où, Roger, là? Chier où? Oh, chier! T'es encore découché chez Inigo, là! Legends are born from the stories we are told. And as they are passed down from generation to generation, they oftentimes become so grandiose, they are nearly impossible to believe. But when it comes to the legend of Bala, trust me when I say, the tales are true. If you thought the bull ants... Banger, mec. Banger. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Pas mal. 62 millions de vues. Eh bah putain, mec, il aime trop les bonnes choses. Hein. Il aime trop ça. Il aime trop cette vie. Il y a 7 ans. Je pense qu'il y a... En 7 ans, ouais, c'est sûr. En 7 ans, mec, il a dû retourner ciel et terre. Il a dû retourner l'univers pour trouver un truc aussi bien que ce qu'il a vécu ce moment-là. Ou bien il est revenu. Ou bien il est revenu en fois, mec. Il a dû kiffer. Il a dû kiffer, frère. Merci d'avoir regardé. Ça va être soit la première, soit la... Ouais, je pense que ça va être la première vidéo. Après celle que j'ai sortie hier. Du coup... J'ai pas encore sorti un moment où je tournais ça. Sur ce que je disais, ce que je pensais, ce que je. L'état dans lequel j'étais, tout ça, tout ça. Du coup, je dirai tous les messages. Merci d'avoir regardé le ref. Et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à repasser ça, à sortir des vidéos. Ça va sortir fréquemment. Du coup, n'hésitez pas à checker fréquemment la chaîne. Activer les notifications. Ça va enchaîner les bangers. J'y crois. Vas-y, prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Bisous.